Action. Arrêtez un peu avec ces pierres supérieures. Pouvez-vous lancer la vérité? Réaliser votre second long métrage à Montpellier qui s'appelle L'Avocat avec Benoît Maginel entre autres. Donc pourquoi tourner ce film dans la région du Languedoc-Roussillon, savoir choisi ces décors? Déjà la première raison c'était que je voulais que l'histoire se situe un peu au soleil. Pour moi c'est dans les polars, souvent on les situe dans des villes, des milieux très urbains, avec la pluie, le chat noir qui passe, la rue, enfin, je joue le film noir et moi je voulais inverser ça et plutôt jouer le soleil, jouer le côté très lumineux, et avoir un film clair. D'accord. C'est la principale raison. Et ensuite, je sais que le problème, les histoires qui sont racontées dans le film ont quelques résonances avec plusieurs histoires qui se sont passées dans le sud de la France, principalement. Donc c'était intéressant pour nous de situer localement un peu cette histoire, sans dire que ça s'est passé comme ça à Montpellier. Mais vous êtes inspiré d'un fait De plusieurs. Plusieurs faits divers réels pour faire une histoire. Lesquels? Oh ben non, mais il y en a tellement, il y a des sources, il y a même des choses en Italie qui sont passées, mm-hmm. L'histoire des déchets de Naples, des trucs comme ça, donc c'est pas... on s'est inspiré de plusieurs trucs différents, quoi. Et donc vous avez tourné à Montpellier, à Sète, et dans des... tous les alentours, là, ça fait trois semaines qu'on est là, donc on est dans tous les alentours aussi. Et le fait que la région Languedoc-Roussillon pousse à la réalisation cinématographique, est-ce que... Enfin, c'est ça qui vous a donné envie de venir aussi? On voit de plus en plus de tournages dans la région. Ça fait partie aussi de la motivation, dans le sens où c'est sûr qu'un film, c'est des financements et qu'à partir du moment où une région aide, c'est vrai qu'on a l'impression souvent que la région, notamment en Roussillon, se bouge beaucoup pour le cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, quoi, parce qu'à partir du moment où c'est déjà le premier argent, ils nous ont aidés dès l'écriture en plus. Donc, d'accord. Il y a vraiment une fidélité de longue durée sur le film. À hauteur pour nous, c'était de combien je ne sais plus exactement le chiffre, c'est dans autour de 100 000 euros. Et à partir du moment où on était aidé dès l'écriture, pour nous c'était logique de situer cette histoire dans une ville comme Montpellier et ses alentours. Quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de tournage à Montpellier, voilà. Donc on est dans le Quorum. Oui. Alors vous pouvez nous raconter rapidement donc, de quoi traite l'avocat? Cette scène et donc alors on va partir de cette scène pour raconter. Là on est à un moment où le jeune avocat assiste à un conseil d'administration et où préside ce conseil d'administration pour l'attribution du marché de la collecte des ordures des hôpitaux va être donné à la société qui est représentée par le jeune avocat. Mais c'est une scène en fait où le président de ce comité a été corrompu. On a eu une scène précédente où l'avocat joué par Benoît Maginel est avec ce type et un mafieux qui est joué par Gilbert Melki, où ils se sont arrangés de manière, on va dire, secrète pour donner le marché à l'entreprise qui est représentée par Maginel, quoi. Et donc c'est une scène qui est un peu au cœur du film, dans le sens où c'est un jeune avocat, de toute façon, qui va être très brillant, qui est très bon à l'oral. C'est l'histoire d'un gâchis, quoi, qui est très fort, et qui va devenir avocat, qui est un peu encombrant, qui au début il va être séduit par ce qui est un voyou au fond, et ce jeune avocat va se faire peu à peu bouffer par son client et par son univers et il va être obligé pour s'en défaire de le trahir. C'est l'histoire d'un avocat comme ça et il va être obligé de trahir son client pour retrouver une indépendance et une vie personnelle, quoi. D'accord. Et quand c'est en même temps l'histoire d'un gâchis parce que je le dis pourrait pu être très fort, quoi. Un des plus grands pénalistes on va dire français et il va être obligé d'avoir l'anonymat d'un avocat fiscaliste d'entreprise. D'accord.